Lelo panique na kati ya Rwanda, panique na kati ya Uganda. Kagame a outi ko binko ko changer plus de 200 officiers. Plus de 200 officiers à permettre bango. Tout ça à Bangui. Voilà comment lelo le Rwanda comme na panique. Voilà comment Uganda comme na panique. Voilà comment ba ennemi ya mboka o ba dirigeant mboka comme na panique. Lelo ba les preuves sont là. Rwanda comme la débandade. Kagame ko lila. Museveni a vu Boma. Il a permis plus de 100 000 généraux. Bonjour ou bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle Bomesana Kolandabiso à travers notre magazine Yokabaz. C'est bien moi votre humble serviteur, le sénateur Marcel. Il est na katia banda kunabino à travers ces magazines pour me kaimpe kusolo la maimatali. Makambo ezo passé na katia mbo kanabiso parce que nous n'avons qu'un seul pays, le Congo. Les Congo de nos ancêtres, Mabele Abakoko Bapé Sabiso, nous avons tout intérêt à y tout défendre Yango, même au prix de nos sangs, parce que le seul héritage où nous avons Bapé Sabiso na Mokili à Libo, c'est Mabele na Yo. Yango mona kabana Israël, si le bazo bondi la Mabele na Bango, Biso la Congolais, tout ça n'a intérêt à bondi la Mabele na Biso en face, y a un envahisseur où le bazo linga à tout pour la bouteille la Biso, une partie à Mabele na Biso qui est le Congo, notre cher pays. Tu es que de la mingi au Itali situation y a insécurité au yo et comme ma casse na kati ya étendu en boka na biso na partie est n'en parlons pas toujours na Kinshasa toujours à wana bandundu donc situation na iso préoccupé mingi bana ya mboka na biso mais je pense que soyez tombé un peu kota la malamu situation wana izala ki priorité par ba ennemi en boka na biso. Au lendemain de l'élection, il y a mon amboka Félix Tshisekedi en 2019. Tout le cas, certains opposants compromettent Bissau insécurité ou généralisée pour qu'ils permettent mon amboka Félix Tshisekedi d'aider à diriger Mboka OT. Voilà aujourd'hui, 4 ans après, il s'est réalisé les lots. Devons nous dire que c'est là qui in et le coup de la par hasard? Non. Nous devons comprendre que non. Bah, ennemi amboka na Bissau. Basati na kati ya mboka na biso balobaka mingi nyama oyo aliaka lisangu azalaka toujours na kati ya lisangu ba ennemi ya mboka na biso oyo baoluka a tout prix ya kokabola mboka na biso baza ko travailler toujours avec certains congolais naïfs oyo bazokanisa ke soki mboka oyo ekabwani bakopesa bango une partie ya mabele. Malheureusement ce sont des congolais oyo bazalaka toujours inconscients ya te développa tesi ya koloba Mboka ou ezali victime ya inconscience collective. Tout le monde a certains opposants qui promettent Kao na kati ya mboka ou. Ce qui est dans la partie est, tout le monde activisme ya ba groupe armé et matili sousou makasi na kati ya partie est mboka na biso. Ou na kati ya bandoulou a tout le monde ba mobondo et console ba ou se met terreur na paisible citoyen. Ou na Kinshasa a ou ba kidnapping par-ci par-là. Ezali ko la ki sa eti. Ba dongolo miso ya mboka na biso baza déterminé ya ko semer kao na kati ya mboka na biso parce que ba moni que notre chef de l'état Félix Tshisekedi a boy ko répondre na ba cahier de charge na bango ezalaki ya ko céder une partie ya mabele ezalaki ya ko tika bango ba piller nos richesses. Voilà pourquoi baza décider ba passer na vitesse supérieure ya ko semer kao na kati ya mboka na biso tenez que ses opposants bazo mériter confiance ya peuple congolais parce que beaucoup d'entre eux mentor na bango ezali ba impérialiste parce que je ne vois mal un opposant qui se dit congolais ou ezali ko bunda lepo a remplacer mon amboka Félix Tshisekedi parce que azana vision pour le Congo a ko se permettre de se comploter na ba ennemi amboka na biso mais komona tous ces politiciens ou de ba opposants ou bazana kan ya ba ennemi na biso bazali tout ba mentor na bango ezali toujours ba ennemi ya mboka na biso. Certains mentor na bango ezali Kagame, d'autres mentor na bango ezali ba européen. Yango lelo omoni a tout prix bazoli na toujours ko mettre à genoux notre pays. Na yebisa rabino au cours de beaucoup de missions que mbele a comprenant que non, la stabilité ou le développement ya Congo est ko passé par stabilité politique. Voilà pourquoi pendant plus de 6 décennies Mundele a permis à la Congolais de la stabilité politique et de gage de développement. Il y a un moment
depuis que moi n'amboka Félix Tshisekedi a pouvoir n'amboka oyo activisme matin ma casse à insécurité na carte à partie est n'amboka na biso tout ça pour n'accomplir rien bah qui dans la stratégie ébélé de mon aki awa la première des stratégies ils ont dit que soumettre moi n'amboka na oyo zala qui pour na andima oyo zala qui ba condition na bango ils ont dit que parmi la stratégie ils ont dit que armer le M23 avec le Rwanda avec un arsenal militaire pour la commune un peu quoi ça la grande ville yambo kanabiso notamment aux alaki Goma na katia nord Kivu pour la cause là était le gouvernement congolais à fléchir devant Batouana pour Andima qu'on soit en charge aux alaki bah déshydraté à bah impérialiste. Malheureusement notre chef de l'État a compris ce jeu, il a refusé catégoriquement yamoni lelo par rapport à la stratégie où aux alaki mise en place yako soumettre notre chef de l'État, comme Goma et Kokoya, par les M23, à Ebakouzoua en compte, aux Alaki Bakaye des charges Nabango. Lesquels Kaye des charges de l'Ebaka chaque fois, aux Alaki à comprendre en compte, aux Alaki Babéjou et Impérialiste. Au moment où il y a Katia, il y a Désidérata ou Kaye des charges M23, il y avait aussi un problème, il y a Koulunga état de siège. Parce que l'état de siège que le président avait. Avait instauré les alliés à la base à cause de sa crise lelo na kati ya Rwanda na kati ya pays limitrophes na biso entre Uganda et les autres pays ainsi que certains pays ya bamindele ya ngomo ni ce qu'il avait compris ce jeu. Il a frappé fort ya ko instaurer l'état de siège il avait aussi frappé fort ya ko visa nini ya ko kanga ba mini nyoso na kati ya Rubavu. Ils ont zone moko bandeko ko ravitailler nos ennemis pour na ba piller nos richesses na mboka na biso. Yango moni toutes ces décisions ezaki prises par notre chef de l'État Mundele a digéré yango mabi parce que Mundele a mesana ko piller mboka na biso parce que doit comprendre que ba Mundele bazwa Congo le koma une poubelle, bazwa Congo le koma un dépotoir. Yango monati pour arriver ya ko piller nos richesses ta ko il y a que déposséder comme on a besoin d'une pression à venir pour la Rwanda parce que peut avoir besoin de payer nos richesses à contrepartie comme le Rwanda et Kagame dans le bazar qui portait la plawana intérêt à Rwanda des alliés nini Mundele promettait qui est après que ça la salle besoin n'est wana à couper c'est une partie à Mabéli à Mokanabiso à contrepartie par rapport à plan au Kagame à endosser qui responsabilité il y a que ça na kati ya Congo il y a un moment qui à chaque fois bazako armée Rwanda bazako tinda militaire Rwanda aye bako envahir ba zone minière na biso afin que bango bako piller ba minerai na biso tu dis ce qui dit que lorsque notre chef de l'État a compris que guerre au ben imposer Congo d'abord ils ont une guerre d'abord économique. Ils ont dit pour piller nos minerais, ils ont dit qu'au Kanga va robiner. Il y a qu'au instaurer état de siège, il y a qu'au arrêter qu'au Kanga. Toutes les mines wana, il y a partie est et notamment la Rubavu, il y a un moment où Mundele Pesie Kanda. Mundele Pesie Kanda, pas battre la vie que non, Congo et Zalaki, une poubelle pour Nabango. Congo et Zalaki pour Nabango, pour la ravitailler, et Zalaki dans l'économie Nabango. À partir de l'Okoana, beaucoup de pays limitrophes, notamment le Rwanda, notamment Uganda, l'économie de Bango est comme asphyxiée à cause de la politique où notre chef d'État a mis en place et bloqué Bango, ainsi que Bamindele va soutenir Bango. Il y a un moment où Mindele, la minute où a commis qu'on jouait le tout pour notre pays. Il veut en finir à notre chef de l'État. Parce que la première stratégie, où il y a contraindre le gouvernement congolais après qu'on tombe à Goma pour qu'Andima qu'on négocie, Andima qu'il décharge les M23 à les mettre sur la table, lesquels. Cahier des charges, il y a qui va désidérer, il va minerer la carte, va réussir à monter. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudra faire? Bah, quand il s'agit que, bah, mettre un peu qu'on contraindre pour la deuxième démarche, bah, contraindre notre chef de l'État. Aïe, bah, qui s'est été dit, à co-organiser des élections. Il y a un mot qui n'a pas de opposant comme eux, bah, qui n'ont atteint un jour de couper sa bamboté. Tellement le notre chef de l'État aille à comprendre tous ces jeux, il a mis des moyens à niveau à CENI,
Seni a bandi ko sala ba opération na ye lelo oyo les traits des élections est en marche. Mundele a changé langage parce qu'il va comprendre que non avec Tshisekedi a déterminé pour que les élections et se tenir na délai constitutionnel. Maintenant il faut ba sala nini ba contraindre ye en dima ki na dialogue so ba ki na dialogue maintenant ba ko imposer aux avec cahier de charges na bango. Tshisekedi a compris ces jeux, il a catégoriquement renoncé à ces plans-là, en disant toujours que tout qui vient dans l'élection, l'élection salama, que les meilleurs remportent. Il y a un moment où nous l'élé, à mon nom, à Angla Mabé, vit la réalisation et notre chef à Sali, de par la Katia Mbokanabiso, nous devons comprendre que ce qui vient dans l'élection et que c'est impossible, leur candidat à battre moi dans Mboka, Félix Tshisekedi. Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut semer les chaos. Il y a un moment où nous l'élé, c'est qu'il y a marche, n'a pas action. La manifestation aux acquis programmés par l'opposition, ces derniers temps, ils allaient qui parce qu'ils avaient un plan. Lequel plan ils allaient qui de semer le chaos dans la province où ils acquis Katanga, ils acquis Kinshasa, Bandundu et puis Bakongo. Heureusement, nous disons félicitations à nos services au Bayabaki qui circuiter par plan Wana et mettre en échec les plans des opposants congolais. Il y a un moment où les Congolais étant déjà matures, à comprendre que non, cette opposition ne joue pas frangée. Il y a un moment où il y a une arrestation. Dans Nambou, il y a certains opposants. On est basé qui impliqué dans le complot. Il y a créé insurrection, il y a créé un coup d'État, notamment dans Mboka Oyo, qui serait à la base, il y a un complot wana, beaucoup d'entre eux basali arrêté, basana kati ya maboko ya service d'intelligence pour leur passer dans l'interrogatoire. Nous devons comprendre, chers Congolais, que notre pays fait face à un complot international. Tous ces complots sont dit parce que notre chef de l'État a beaucoup cédé na oizala ki bakaye des charges na bango. A beaucoup cédé na politique ou ba mesana ki ya copier nos richesses na katamboka oyo. Oyo ba prédécesseur ya Tshisekedi ba ndima ki yango parce que beaucoup d'entre eux ne sont pas de vrais Congolais. Voilà pourquoi ils ont, pour arriver à cela, ils ont compris que nous devons fragiliser l'armée congolaise. Yango mouna ki mission oyo ba prédécesseur naïe bazouaki pendant tout ce temps qui n'a pouvoir et qui a fragilisé armée nabissou. Ils ont refusé à réformer armée nabissou. Ils ont refusé à former armée au profit à Rwanda pour que le Rwanda ait exercé et qui hégémonie naïe nakati à Congo pour nous piller nos richesses. Il y a mon 18 ans d'Iran. Batrali ko former armée te 18 ans d'Iran au pouvoir, batrali ko former unité spéciale na katamboka ote. Ils ont fait ça à dessein parce que bayeba dit que c'était l'armée qui pouvait faire na ba compagnie soana. L'armée, si nous avons une armée forte, ba ko sala ba ko sala ki ba plan na bango ya ko balkaniser Congo, ba plan bango ya ko piller Congo et ko réussir. Alors il faut commencer par fragiliser l'armée. Comment nos officiers supérieurs ont dans les cas dans différentes académies militaires et monde des grandes renommées Bamboudou Bakoufa tout ça basala yango à dessin au vie et aussi de tout le monde. Il y a un moment où tu serais dans du pouvoir dans Mboka na biso, ils ont pensé que notre président Azala Sou naïf pour continuer avec le même plan. Il y a un moment où Kagame au début de son mandat au pouvoir Tshisekedi, il a proposé Tshisekedi certains notamment à intégrer 12 000 militaires rwandais et basaki cantonnés dans la Rwanda. Parmi les 12 000, les 5 000 devaient intégrer la garde républicaine. Il y a Kinshasa, tout ça dans le but d'éliminer physiquement notre président. Bon, Tshisekedi à Rosala, un bon collaborateur Nabango, à Kouzala, un bon collaborateur Nabango pour continuer avec la sale besoin. Oyo, Zalaki n'a pouvoir pendant 18 ans, Zalaki avec les Rwanda. Malheureusement pour eux, ils étaient en face d'un Congolais de père et de mère qui a renoncé à tous ses plans pour na profit à Pépinaï. Voilà pourquoi Lelo, avec l'arrivée de Tshisekedi, il a, par sa diplomatie agissante, il a voulu d'abord faire comprendre le monde entier que notre pays est agressé. Pendant 3 décennies, aucune organisation mondiale, aucune ressource sous-régionale et ce qu'elle a condima implication à Kagame na ya Rwanda.
Yango moi Tshisekedi comprenant cela, il a commencé d'abord par sillonner de par le monde dans la capitale occidentale pour leur faire comprendre que non, mon pays est agressé par le Rwanda. Yango monaki nos services, ba captura certains éléments de RDF ya Rwanda sur le sol congolais avec des matricules, ba carte nyonso na ba armement. Et j'ai dit ba preuve oyo Tshisekedi notre chef de l'État à même qu'il y a une instance supérieure à monde pour leur faire voir que non, mon pays est réellement agressé par le Rwanda. Dans ce moment-là, après trois décennies, parce qu'elle a conduit ma implication à Rwanda, à cause de la diplomatie à moi Mboka, Félix Tshisekedi, nous avons dit contraire à conduire effectivement que c'est le Rwanda qui agresse le Congo. Pour nous, c'est un pari garé, un pari gagné. Parce que notre chef a voulu seulement que ces grandes institutions internationales vont reconnaître que le pays est agressé par le Rwanda. Au final, maintenant, le Congo a cause de la responsabilité. Voilà la politique où notre chef a mis en place pour contourner Mundele dans mafia abandonné kusa la na sima ya Kagame abandonné pour protéger Kagame parce que ce qui notre chef avait levé l'option en son temps ya ko attaquer Rwanda, le monde allait le condamner. Voilà pourquoi par sa diplomatie, par l'intelligence azaki na politique a contourné Mundele. Le Mundele azaki na choati azaki obligé à condima avec des preuves à l'appui, ba image ya ba drone, ba preuve à l'appui avec des militaires physique comme ça, il y a l'armée rwandaise sur le sol congolais. Alors, les Blancs n'avaient plus le choix. Voilà comment Tshisekedi, par la politique au hasard au prix à Sphinx délimité, pendant plus ou moins trois quarts de sa vie, est foutu devant Mundele. Maintenant, le Mundele a reconnu l'implication à Rwanda, direct et à Kagame. Maintenant, Mundele, tellement c'est lui qui a fait porter ses plans à Kagame, il n'y a pas moyen de sanctionner. Assume seulement pour déclarer que non, le Rwanda devait quitter le sol congolais par l'hypocrisie. Notre chef savait que non, Mundele jamais à quoi attaquer Rwanda. Pour lui, il a besoin seulement, à jouer seulement reconnaissance Rwanda auprès de la grande institution internationale pour que maintenant il y ait la responsabilité d'un chef de l'État et à défendre Mboka Naï. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, tu dis que c'est Mboka. Tu sais que dit, ayant pris maintenant avant Rwanda, après Kondima, après beaucoup de rapports, et même Nations Unies Sali, il a impliqué Rwanda et Kagame, maintenant le Congo a passé maintenant à vitesse supérieure. Aux amis, il y a offensive, il y a même Okaki, notre chef de l'État, pendant qu'il y a une œuvre de Soana, pendant qu'il y a une négociation de Soana, il prépare le monde, de l'autre côté, il prépare notre armée. Imaginez-vous, les pays comme le Congo, 30 ans après, parce qu'elle a préparé unité à paracommandoté. Allez-y comprendre. Or, Congo ne disposait d'aucune unité spéciale à Ibisangaï. Mokaboui et Kogani Berkouma. Salango a dessin. Or, dans tous les pays du monde, il y a des fondamentaux au niveau de l'armée. Avec pendant 18 ans, nos militaires étaient formés sans armes à feu. Naba bâton. Comme à l'époque coloniale. C'est grave. Mais tu sais qu'il n'y a pas question de ça. Basalango a baissé. Il y a même certains militaires qui ont été en guerre. Alors qu'il est occupé à Massassi, il a paniqué à Boaki Mundouki. Mais avec Félix, tu sais qu'il avait compris que pour faire face à toutes ces velléités, à tous ces complots internationaux, il me faut une armée forte. Voilà le stratège Félix Tshisekedi. Oh, il est à mettre Mundele Domi. Pendant qu'il y a ce distrait dans la négociation, ici, il formait l'armée. Aujourd'hui, bah tu commandes les unités la para commando, bah tu commandes la d'exercice na bango et c'est une unité à 80 quelques, na niveau à 7 on a maintenant des para commando qui peuvent bien défendre notre pays. Si c'est une unité à jungle basali, bah unité et c'est la maille, bah unité à montagne et na Congo pendant plus de 3 décennies n'a plus existé dans le cannabis. Bah c'est l'ango à dessein pour fragiliser notre armée au profit de l'impérialiste dans Rwanda pour piller nos richesses. Tu sais qu'il a compris cela. Il y a même eu la MONUSCO, Sony et Jésus Bango, non, à comme pour reconnaître la montée en puissance, il y a FARDC. Ils ont compris. Pour le faire, il faut toujours être congolais de père et de mère, comme Félix Tshisekedi. À l'heure actuelle, il y a des instructeurs. Il y a des instructeurs au Baouti, dans Mokamipaya, dans la Katia, CETA, pour former, parachever la formation de nos militaires. Aujourd'hui, le Congo, hormis. Effectif, là, qui n'a pas, Félix Tshisekedi a formé déjà plus de 30 000 hommes. Et puis, il y a différentes académies dans le monde entier, il y a grande renommée aux États-Unis, partout ailleurs.
c'est pour vous dire que Babi qui veut la paix prépare la guerre. Tshisekedi savait ce qu'il faisait. Tant que on se posait la question, qui politique, la vision a été. Même les militaires, les généraux reconnaissent cela. C'est grâce à cet homme, le armé d'Abisso, et qu'on a la lettre de noblesse dans les amis Kala. L'armée zéroise faisait peur à toute l'Afrique. Si Kadhafi disait qu'avec 500 commandos congolais, je peux conquérir l'Afrique, aujourd'hui, tu sais, la comme Kozoum Tsango. Toujours, il va imiter ma paracommando. Toujours, il va imiter la maille. Il va imiter la gêne. Il y a forêt. Et au Kabila pendant 18 ans, à moment, il y a au profit à Rwanda pour que le Rwanda puisse piller le minerai. Nous disons bravo à notre chef de l'État. Aujourd'hui, nous voulons dire que notre armée est maintenant prête et il y a affronter toute velléité. Il y a un monde au regard de ça, il y a panique dans le Rwanda, panique dans le Uganda. Kagame a outil qu'on change plus de 200 officiers. Plus de 200 officiers à permettre Bango. Tout ça a bangi la montée à puissance y a faire d'ici. On a vu que Uganda et tout ça avant-hier a changé 110 officiers. Tout ça, va comprendre que le Congo maintenant est comme qu'on retrouver sa place d'antan au Azala qui est en Akatia, il y a Afrique. Si c'est que la Kédegna Bango intelligemment a contourné même le monde, dans le moment où on a joué Sabine Lilo, ce qui le Congo est déclenché maintenant offensive contre le Rwanda, je pense qu'il n'y a aucun pays au monde, aucune grande puissance éco condamné Congo. Il y a un moment États-Unis comme que cela va déclaration comme quoi Azobanga va escalader une matière entre Congo et Rwanda et dégénérer parce que les États-Unis ont compris que donc Tshisekedi est déterminé d'en finir avec Kagame. Chers compatriotes, je vous dis que les choses sérieuses vont commencer bientôt parce que le Rwanda Kagame a commis la panique, toutes les réunions secrètes comme Kokota et comme dévoilé de la même manière, Rwanda a infiltré le Congo aussi, en son tour, a infiltré le Rwanda. On dit Kagame, on a panique. À chaque fois qu'il réunion, pour la cause de la Congo, qui s'est d'assez informé dans Yango. A comme il y a maintenant. A comme changer la militaire, ça et là. Panique et petit nakata Rwanda. Parce que le Congo, le grand Congo, qui était à genoux, est maintenant debout avec moi dans Mboka, Félix Tshisekedi. Laissez-moi vous dire que le complot n'est pas toujours fini avec les impérialistes. Les États-Unis n'ont pas bougé tellement le monde est condamné qui est mis par sa mauvaise politique. Il y a un coup d'État, il y a une insurrection à Watambokabatu, il y a aucun de nos président, notamment tout le monde a un président, il y a Irak, il y a Kangaye, les États-Unis ont été salis. Mais là, les États-Unis ont changé la politique maintenant. A comment qu'on nous soit l'ingal de la président à ça la mascarade à l'élection. Il y a toujours mettre en garde certains officiels yamboka n'a pas au niveau de la justice, na niveau ya CENI. Et on a aussi mabana mboka. Moi na mboka Félix Tshisekedi a fumola misu na niveau ya CENI, na niveau cour constitutionnel. Moi je pense qu'il y a un plan qui se prépare na niveau de Sissou Mibale ya mboka. Parce que les États-Unis de peur que te vivre makambo islamana kata Côte d'Ivoire entre Laurent Gbagbo na Ouattara. Et ça déjà prévisible kata mboka na biso. Nous alertons déjà notre chef de l'État à faire très attention. Après ça, ces gens-là confiance aveugle, notamment dans le dirigeant CENI, dans le dirigeant cour constitutionnelle, de peur que tous retrouver, parce que Makamba Côte d'Ivoire, ils avaient jurisprudence pour Nabissou. On a vu une institution, ils avaient habilité, ils ont confirmé la résidence comme la cour constitutionnelle, il y a Côte d'Ivoire, et confirmé que c'est Laurent Gbagbo qui était le président, tout le monde a les impérialistes que Boya Yango qui imposé Bango Ezala qui hors la CENI a publié un résultat provisoire. Mais tout le monde a Côte d'Ivoire le contraire. Ils ont tenu compte, il y a un résultat à CENI parce que le président à CENI à Côte d'Ivoire a été conduit par les Américains. Alors, c'est là et servir une jurisprudence. Nous avons vu des visites de trop. Il y a une autorité qui a été en Awa, dans les États-Unis, dans les États-Unis, dans la ligne. Notre monde président à la Cour constitutionnelle des États-Unis à Congo. Notre monde président à la CENI à États-Unis à Congo. Mais pourquoi seulement le contraire? Qu'est-ce qui se cache derrière tous ces voyages à Batouana? Voilà pourquoi nous alertons déjà. Parce que nous sommes déjà
moins informés, nous avons nos informateurs au niveau des États-Unis, d'un complot qui se trame contre notre chef de l'État. Parce que tous ces impérialistes occidentaux vont comprendre que Félix Tshisekedi déjà a eu une vitesse de croisée. Moi, il va arrêter les choses à l'été. Mais il faut le catailler la carte de peur que les Congo aient élan de développement. Il y a l'autonomie. Tout peut se passer à niveau de la Tangiwana. Il y a des institutions dans le temps. La Cour constitutionnelle et puis la CENI. Notre chef de l'État a fumé Misu. Tomoni Mukwege, qui est Burundi d'abord, a eu appui à l'Américain. Pourquoi seulement ces impérialistes ont imposé Misu dans l'étranger? Mukwege n'a jamais été congolais. Il est Burundi de père. C'est ça le problème. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se cache le lot d'Américain à PCE, d'un militaire à tenir la Mukwege? C'est pour quelle finalité? Mukwege Azali officiel n'a qu'à Congo. Mais pourquoi les Américains ont détaillé une sécurité Yandemouana? Qu'est-ce qui se cache devant cette sécurité dans mon amour à Mukwege? Il y a l'obi Awa déjà, l'autorité congolaise va prendre en compte ma ramenageur Awa. Il y a un plat qui se prépare au niveau des États-Unis. Parce que les États-Unis, pour eux, pour la Kouboy à Sony Oba, pendant beaucoup de décennies, il y a politique, il y a violer le territoire, il y a tout. À comment on doit passer par la voie électorale. Maintenant, il y a tricherie. Tokeba. Le président de la République et tous les services de Fumula Misu aux deux institutions ont été signés. La CENI et la Cour constitutionnelle. De peur que toute la surplus lobby. Parce que tous ces impérialistes vont comprendre que non, le peuple congolais, à l'unanimité, basa derrière moi dans Mboka Félix Tshisekedi pour la couper ses deuxième mandat. Maintenant ces gens, avec toute leur stratégie, ils ont voué à l'échec, ils ont court-circuité par la politique de Tshisekedi, mais ils vont passer maintenant à un autre plan. Dernier plan de la Kimini, que les élections et se tenir. Mais tellement notre chef de l'État a déterminé pour organiser les élections, va comprendre que non, nous devons être arrêtés les sous-sous exati. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant reporter la carte à l'institution dans tout le temps. Pour ça, là, qu'on impose les alliés volontés dans le Bango. Que les chefs de l'État et les services de l'Amiso bafoumou la Missou. Bafoumou la Missou. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Pourquoi est-ce que la CENI et l'Igo Bengana, agent service d'intelligence, eux, dans la commune de la CENI, pour la coutale la candidature à battre? Pourquoi est-ce que Aboy Bango dans la CENI? Pourquoi seulement aujourd'hui? Pendant que agent Wana, pendant des années, pendant que la CENI et CENI, tous ces agents, il y a service d'intelligence dans Bissot, il y a ministère intérieur, dans la commune pour vérifier l'identité à battre. Il y a Batou et il a déposé la candidature. Mais qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui de la CENI a eu sa Batouana, va siéger les choses dans Katia, Balibouanati. Qu'est-ce qui se cache devant ça? Voilà pourquoi nous alertons déjà à nos autorités. Va comprendre qu'il y a un plan qui se trame au niveau des États-Unis. Le niveau institution de la Kayouana, la Cour constitutionnelle et la CENI. De peur que tout cela surpris comme la Côte d'Ivoire. Parce que les Américains, pour eux, Monique n'a voué un coup d'État et qu'aussi une bâtie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudra maintenant infiltrer la CENI, infiltrer la Cour constitutionnelle et la Akina Bango. Voilà pourquoi nous alertons déjà. Nous alertons l'autorité à Mboka. De quoi dans la CENI, de quoi dans la Cour Wana et au constitutionnel Wana. De peur que pour revivre Makamoura et Nakatia, il y a Côte d'Ivoire. Ils ont mis plein eux et les Américains ont préparé. Je pense, nous avons dit, que nos autorités vont prendre en compte de ce que nous parlons. Parce qu'ils vont comprendre que non, sur toutes les voies, empruntant qui, Monique Félix est toujours fort. Sur les voies à guerre, le Congo est déjà debout, le grand Congo est déjà debout, et comme impossible dans Rwanda à fléchir encore le Congo. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut contourner Tshisekedi par les voies des élections mascarades, en manipulant la CENI a manipulé la Cour constitutionnelle de Mboka Nabissou. Voilà pourquoi tu es alerté par Mboka, Baïda et Lokouana. Parlons maintenant dans Tchouba Awa. Il y a situation où il y a kidnapping de Mboka Nabissou. Dans Tchouba Awa, ils ont toujours un ennemi à Mboka. Il y a une mémoire dans Katiwana. Pour semer le chaos. Il y a un moment déjà pour salir aussi aux alliés à francophonie.
pour que certains pays vont décliner offre et que non, tu ne pas qu'il y a une sécurité dans ta ville à Kinshasa. Voilà la raison aussi. Parmi ma raison, il y a beaucoup de pays déjà et d'exister à cause de l'insécurité comme raison. Il y a un moment où il y a la condition de la Bafumoulamissou. Comment est-ce que, dans le cadre de la kidnapper, il y a des policiers, il y a des polices criminelles qui sont impliqués dans le cadre? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Comment est-ce que les agents de sécurité, la police, sont impliqués dans le cadre de l'opération de kidnapping? Ça, cela montre que non, il y a déjà certains chefs, il y a la police aussi basa impliqué dans Makambouana. Alors que nos dirigeants Bafoumoula Missou na ba situation ya ba kidnapping et comme des trous des heures de la carte à Kinshasa, na carte à Katanga. Alors que nos chefs Bafoumoula Missou, parce que situation au peut se dégénérer. Tout le monde na carte à Kwango ba arrêter encore 50 éléments ba Mobondo par le commandant à 34e région militaire. Il y a 11e région militaire, pardon. Alors tout ça et je la qui sait qui non bateau au bas là qui déterminé il y a créé chaos na kati ya mboka na misu il y a retour sur na ba kondi ya mboka ba fumula misu pour na ba situation au lieu il y a kidnapping. Nous avons vu des récidivistes na kati ya ba kidnapper wana il y a le cas lobby ba kanina déjà en son mais le lo au lieu voilà comment on va manipuler le peuple congolais. Voilà, aujourd'hui il s'est retrouvé encore, avec ce soi-disant prêtre, et Azali menteur na bango, na salle besoin de baoli na basa na Congo, s'est retrouvé pour arrêter encore des stratégies, yakouluka kouma, yakou détruire mboka na biso. Nous leur disons non, cette fois-ci, ekopasete, les Congo et les Congolais. Et puis Batou, oh, bah, c'est toujours ces besoins dans ces pays, c'est toujours les étrangers autour de Mboka ou. Certains bayers Bamboula, d'autres bayers comme Bapéché. Et ce sont eux qui veulent semer les tours dans ces pays. Parce qu'ils vont en Mongo Bélé. Parce qu'ils vont prier Mboka ou. Parce qu'ils vont détruire Mboka ou au profit d'intérêt dans Bango. Mais le Congo Pessi Bangonso, Bamsou Bayer Bamboula, Mboula, Awa, Bamboula, Bamboula, milliardaire. D'autres comme Bapéché. Ce sont eux qui ont détruit ces pays à cause d'intérêt Nabango. Et heureusement, nous disons merci notre chef de l'État parce qu'il a compris tous ces gens. Et puis tout cela à nos services, Balan de la Batouana Malam, tous ces étrangers ont se mettre terreur, ils se mettre chaos dans ces pays par la réduction des étrangers, Bakangabango, c'est la prison. L'air n'est plus aux aventures. Trop se trouve dans ces pays. Et nous disons que Batouana va diriger Katanga pendant des années. Maintenant, SNCC, au profit de la traque Nabango, et nous sommes minéraux qui sont dans la Zambie. Le chef a boy Makambouana Lelo. Il est au moins l'économie congolaise et cousin de la Congolais. C'est là qu'on a baissé. Kangi, économie congolaise, dans tout l'étranger. On a créé l'assassin Nabango. Donc la SNCC va créer la traque na bango, va plus de 15 000 traques na mutumoko. Ils ont diminué à Congo et qui n'ont rien à Zambie, parce que Zambie ils ont dit pays na bango, maman na bango. Les chefs ont compris cela, comme c'est eux qui étaient à la base pour détruire l'économie congolaise, les chefs ont bloqué le Rwanda. Plus question à minerai à Congo et le cas par la Zambie et qu'on passe maintenant par l'Obito et que Angola allez. Et qui est à Liban dans Mboka. Voilà place de la ministre Batoura Bajolila. Bajolila, Batraco et Basomba, Bakamouana est miné plus de 30 000 camions. Et ils auront la minerie à Congo. Et le ministre de la Roua et de la Zambie, Félix Tshisekedi a bloqué Yango. L'économie à Congo et Kozonga n'a pas Congolais. Merci notre chef de l'État. Tu es vraiment un politicien au Azali, à l'ennemi politique. Et j'ai l'accès à la notion, tu avais bien assimilé dans les choix politiques au prix à ces fins délimitées. Voilà comment le Rwanda est commis en panique. Voilà comment Ouganda est commis en panique. Voilà comment les ennemis en Boko Oyo, les dirigeants en Boko Oyo, en panique. Parce que les ennemis en Boko Oyo, les ennemis en étrangers. Tu sais qu'il comprenait cela, il a d'abord commencé à signer un arrêté par le ministre à Mine Nabiso, il a interdit. Exploitation à la mine à Congo dans le niveau à Rubavu. Ils ont encore une frappe au président Pessa qui n'a pas impérialiste en Boko Nabiso. Et maintenant, à Outu Kosimi Awa,
plus question y a minerai à Congo et le cas par la Zambie par la voie de traque à Katumbi. Voilà le Congo vient de signer un protocole d'accord avec l'Angola. Maintenant, le minerai est comme la non par la Zambie, par l'Angola, par le Bitu. Et puis, la Kumoko, moins cher par rapport au Banda de la Zambie. Bravo à votre chef de l'État. C'est ça un politicien. C'est ça le poids qui a vision pour le Congo. Voici ce que nous à mettre Bango à genoux. Sur le plan militaire, le Congo déjà est éliminé. Nous avons aujourd'hui des militaires dans une formation dans Israël Bazali. Le formateur israélien basé dans la Katasita. Basé parfaire encore la formation de nos militaires. Certains basés dans l'académie militaire dans les États-Unis. Bravo le chef de l'État. Il a pris 4 ans pour que tu comprendre la politique avec nous pour la Congo. Les preuves sont là. Rwanda, comme il y a des bandades, Kada va vous là. Museveni a vu Boma. Il a permis plus de 100 000 généraux. Tout ça n'est parce qu'à comprendre que non, Tshisekedi a joué à Mabi. Le chef est déterminé maintenant, il y a qu'à passer dans l'offensive. Voilà pourquoi les États-Unis ont s'inquiéter. Pour la bascalade économique entre les Congo et le Rwanda, ils vont se dégénérer. Non! Les États-Unis ont compris que Tshisekedi va rendre poussière le Rwanda. Voilà maintenant que Banga. Mais Tshisekedi aussi est déterminé. Parce qu'il a averti ça déjà en amont. Que les Rwandais ont agressé le Congo, ça a été sourd d'oreille. Bah, quand c'est dit Félix Aza Kabila, il a concédé dans la bêtise. Il a dit que c'est un lion. Il a dit que c'est un démontré dans la griffe. Il a dit que c'est un lion. Sous raison, il a parce que le Congo est maintenant debout. Moi, je pense que avec l'arsenal militaire Otoanango, parce que le chef avait doté la semaine dernière plus de 6 avions de guerre à nos FARDC. Les militaires sont fiers. Tant au moins un général vous dit que maintenant, le Congo maintenant est prêt maintenant à tout. Allez-y comprendre quand un général vous dit ça. Tu sais que la zone ici maintenant armée Nabiso n'a niveau Zalaki. Il y a notre pays si bravo notre chef de l'État. Il reste bas Congolais, mais il y a toujours notre chef de l'État. Parce que c'est lui qui a un souci en Boko Nabiso. Allez-y comprendre. Après les opposants, tu sais que dit insécurité dans la partie est en Abissou. Pendant que le même Congolais, elle est aussi de l'Est. Mais voilà ce qu'elle fait. Et coup de chapeau dans le service Nabissou. Parce que la dame a été interceptée dans le Kanguye. Et puis le service a passé dans l'interrogatoire. A dit Sabissou, Nani et a PC qui la munition. Le Oyo, notre gouvernement avait pris l'option. Il y a quoi dit ça, Monisco a libéré Congo. Mais toujours, représentant les États-Unis, dans le Conseil de sécurité, s'oppose à cette décision. Voilà les États sont les Américains. Ils ont compris que le Congo va comprendre. Parce que ce qui Monisco cueillit, c'est tout. Allez-y comprendre la Monisco. 23 ans après, Monisco a Mboka Oyo a trouvé moins de 10 groupes armés dans le Mboka Oyo. 23 ans après, bah, on a plus de 300. Alors, devons-nous continuer à garder la munition sur notre sol? Nous disons non. Parce que sa mission était un métier de la paix. Mais toujours, on a paix à l'OSAP. Pendant 23 ans, on a un activisme toujours dans le groupe armé et Mati Makasi n'a qu'à partir est en Bukanabissou. Alors, quelle est sa raison d'être sur le sol congolais? Voilà pourquoi les gouvernements congolais avaient compris. Ainsi que peuple congolais, tout le monde finit avec la MONUSCO, va plier bagage, va te l'embouquer à Bango. Parce que notre armée est maintenant capable de assurer la sécurité à la Congolais sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi tu sais Bakenge. Et c'est là qu'il y a une demande en Boka, le sénateur Marcel, tu as plutôt partagé aux acquis, ma solo en Boka Nabiso, parce que nous n'avons qu'un seul Congo qui est le Congo. Notre pays qui est un seul pays qui est le Congo. Il y a un moment où il y a un
bamoni ke kono kono ko mata e kono ko ja elana yango tika to chabakal to bulisa mona mboka Félix Tshisekedi ba kono ko jouer le tout pour le tout ba kono ko jouer ba étranger ba postiner pour passer la mission à vantir na niveau à semi na niveau à cour constitutionnel to fumoli misu et le déjà fumola misu je pense et cela qui mouke autre nous to partager na binou to koutani à la prochaine mon numéro c'est le plus 243 81 52 99 123 plus 243 81 52 99 123 et c'est là qui va bino le président Marcel président sénateur debout de coutenir la prochaine bye bye.